cœur pour capable d'entendre des paroles le Seigneur. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. M'avez invité au frère Maxime Yo à l'ouvrir Bible avec moi, dans 1 Jean, chapitre 5, le verset 12, que nous connaissons très bien, qui dit, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Merci Seigneur. Amen. Papa, nous qui dans le ciel, là, nous bénissons, nous exaltons, nous nous disons merci pour parole, et nous demandons autant prie, Père, bénis parole ça, et permettre à ce que chaque petit tout qu'il a édifié, et non, on va glorifier. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Nous bénissons Seigneur, mes bien-aimés, nous disons bon Dieu merci pour nouveau jour ça. Et dans nouveau jour ça, le Seigneur vient dire au matin, hein, Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Comme un monde qui croit ça. Amen. Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Éternel. Sous gain Jésus-Christ, Oui, ou gain la vie éternelle. éternel. Et c'est ça que fait matin, moi, vient dire, pas tant la vie éternelle là. Pas tant ni, recevoir. Amen. Pas tant la vie Amen. éternelle, recevoir. Parce que l'est à la portée. La vie éternelle là, li nan la main, li à la portée. Et ça kem dou, matin, moi vin dou recevoir. Sou désirer, sou vle tout bon matin, m'invite à l'ouvrir cœur. Simplement. Pas gan pile bagay ko pral fè. M'invite à l'ouvrir cœur matin pour recevoir Jésus-Christ. Amen. Et la bao, la vie qui pa jam finir. L'ouvrir Amen. cœur matin, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et vous avez la vie qui ne peut jamais finir. C'est dans lui seulement que la vie, ça. Jean 6, 47 dit ça. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il y a pile monde, mes bien-aimés, qui pensait que la vie éternelle, c'est la vie qui est réservée à eux-mêmes. J'en ai dit ça déjà comme une récompense. Comme une récompense pour gens, pour bonne façon qu'ils vivent sous la terre. Pour gens qui ont bien mené bac sous la terre, et bien ça, c'est une récompense. Et ils recevront après la mort. Et eux-mêmes qui sont pensés de la vie éternelle. Ou même qui a tant de mla jodi a, ou même que le Seigneur fait grâce, ou capable de tant de paroles ça, ou ka nan l'oro en prière nan minute ça pour tant de paroles, bon Dieu, qui ça ou même ou pensez? Qui sont pensés de la vie éternelle? Est-ce que certains ce matin m'demandent, est-ce qu'on gagne la vie éternelle? Qui soit répondre moins? Par contre, soit répondre moins. Si là qui gagne Christ dans la vie ou déjà, yo capable de dire oui, yo gagne la vie éternelle. Mais et ou même qui peut qu'on fait la paix avec elle. Et ou même qui peut qu'on ouvre porte cœur pour recevoir. Qui soit dit, tant nos paroles que lui dit non. Dans 1 Jean 5, 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie est dans son Fils. Et ça que fait, je dis à moi, je viens de dire, Jésus-Christ est la vie éternelle. La vie éternelle est dans son Fils. Donc la vie éternelle, mes bien-aimés, elle est uniquement en Jésus-Christ, elle n'est pas de l'autre côté. Soit chercher l'autre côté ou pas besoin ni. C'est dans Jésus lié. Et ça, qu'elle n'est pas limité dans le temps. Pour quelle raison? Parce que Jean 17, 3, 12, ça. Jean 17, 3 dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, il dit que la vie éternelle, c'est connaître, c'est chercher connaître. Et ça fait, sous qu'on Jésus matin, hein, leur chercher qu'on Jésus, eh bien, il bon la vie, ça. Et leur gagne la vie, qui pas jamais finir en haut, ou accepter Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, donc, on vient entrer dans une relation éternelle. Une relation qui est vraie, une intimité avec mon Dieu, là ça ou vient mener une vie chrétienne véritable, côté volonté, mon Dieu, c'est lui-même qui a dominé sous volonté humaine, ou pas marcher selon la chair encore,
Donc, quel que soit ça qui vient devant, quel que soit ça rencontré, quel que soit ça qui paraît devant comme contrariété, on va pas accepter parce que la vie Jésus n'a ou même, les boy ont capacité, alléluia, pour dominer quel que soit situation. La paix, bon Dieu, avec vous. Amen. Quel que soit ça qui vient, mes bien-aimés, ou pas réagir même avec tout le monde. Alléluia. Pour qui raison? Parce que Jésus-Christ dans vous, qui c'est la vie qui pas jamais fini, hein. Parce que là, mes bien-aimés, ils viennent faire de où? Ou viennent hériter, pas n'importe quel héritage qu'on vient gagner, ou viennent hériter le royaume de Dieu. Royaume de Dieu qui c'est une vie. Côté bon Dieu a régné en maître absolu. Et côté les lever, mes bien-aimés, ils viennent placer au-dessus des réalités quotidiennes. La paix, bon Dieu, à vous. Amen, amen. Donc, ils viennent mettre sous tête problème, yo. Ils viennent faire tout problème passer en papier. Ils ont mené une vie de royaume. Ils ont mené une vie, alléluia, côté depuis amen. Sous la terre, mais ou pas sous la terre, oui, mais c'est dans le ciel où il est. Parce que vous avez gardé en haut, ou hérité royaume, mon Dieu, qui c'est une vie, vie de royaume, non, mes bien-aimés, c'est ça. Les pas dans très très quotidien, yo. Si très très quotidien, yo, ou dominé, yo. Les petits contrariétés venus, ou dominé. Les petits problèmes non venus, ou dominé. Ou vine, ou vie de paix. Nan mitan tout tohu-bohu sa yo, nan mitan la peur qui existe là dans le monde là, nan mitan panique qui gagne dans le monde là, nan mitan tête chargée qui gagne dans le monde ça, ou même ou ap mené une vie de paix. Amen. Alléluia. Ou ap mené une vie de joie, nan mitan tristesse yo, et pour ou même cœur content. Moun gwal dou m'en fou ben, c'est pas m'en fou ben non, c'est la vie éternelle qui nan ou même. C'est Jésus-Christ qui nan ou même qui fait que nan mitan problème yo, nan mitan tourment yo, nan mitan tête chargée yo, ou ap mené une vie de joie. Amen. Ou mener une vie d'espérance dans mitan désespoir. Monde ça qui la jodia c'est désespoir que la donne seulement. Ou regarder malgré désespoir dans monde ça, malgré désespoir qu'a valé terrain, mais ou même ou gon vie, ou mener une vie d'espérance, ou mener une vie de puissance dans calme dans alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Comme Jésus mes bien-aimés, alléluia dans Marc 10 17, il dit comme Jésus se mettait en chemin, un homme a couru et se jetant à genoux devant lui. Il dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Donc ça, t'es riche. Il t'est senti que les riches tout devant mon Dieu. Puisqu'il était riche sous la terre, il maintenant t'es riche devant mon Dieu. Parce qu'il était observé tout commandement que la loi t'a demandé. Marc 10, 20. Il était correct, il n'a pas fait mal à aucun monde, il était accepté, très apprécié à cause de ville pieuse qui t'a mené, mais c'est un problème sérieux qui t'est posé pour jeune homme ça. Mm-hmm. Problème sérieux qui t'est posé pour lui, c'est que jeune homme ça, il était remis bien lieu, au point que il était attaché avec lui. Donc, homme ça, pas pareil pour te abandonner bien lieu, pour te cap suivre Jésus, pour te cap suivre mon Dieu, pour te cap marcher, alléluia, avec lui. De ça, mes bien-aimés, les patrivés à vivre une vraie communion avec mon Dieu. Matin, moi, je viens de détacher à tout bagaille pour capable jouer plein épanouissement vie chrétienne. De vous gagner attache, mes bien-aimés, pas qu'à vivre bien devant mon Dieu. De vous gagner bagaille attaché à vous-même ou pas qu'à vivre bien devant mon Dieu. Et non, ça, il te manque un bagaille. Ça que bien, vous pas capable de bali. Bien, vous pas capable de la vie éternelle. À tout billion qu'on gagne, millionnaire qu'on capable millionnaire. Il va acheter la vie éternelle. Non. Ou acheter toute bagaille. Ou pas acheter la vie éternelle. Parce que la vie, ça, mes bien-aimés, c'est dans Jésus-Christ seulement lié. Oui. La vie que bon Dieu baou dans Jésus-Christ a, et qui a accès à des choses extraordinaires. Et c'est lui qui vient faire de où un monde extraordinaire. Le Christ dans la vie ou son monde extraordinaire. Le Christ dans la vie ou la faut vivre, alléluia. Il y a une autre vie qui est différente de tout l'autre monde. Ou à vivre la manifestation de la puissance de Dieu. Et ou à découvrir des bagailles que Dieu pas capable ouais, Zoré pas capable d'entendre, mais ou même ouais yo. Et bagailles qui pas monté dans que l'homme, bon Dieu a metté dans cœur. Et il réserve seulement à moun qui pouli. Il réserve seulement à moun qui est Christ dans la vie yo. Et ça fait d'où la vie éternelle, mes bien-aimés, exiger une obéissance totale à l'instruction bon Dieu bail. Et ça fait l'homme Jésus-Christ ou obéissant. Parce que la vie éternelle qui n'a pas, il faut marcher dans l'obéissance. Parce que d'où Jésus l'a regardé, les mains et lui dit, il te manque une chose, va. Va tout ce que tu as.
donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, et pas de sale d'Apton, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Bon Dieu, pas de problème, non, à richesse, ou qu'à millionnaire. Mais c'est qui ça le représentait pour vous? Amen. Est-ce que c'est Dieu que lié? Est-ce que richesse, ça c'est idole ou? Est-ce qu'on est attaché à lui-même? Donc je dis à quel que soit ça ou attaché à, l'a empêché ou mener une vie de royaume, l'a empêché ou rentrer dans le royaume mon Dieu. À. Si c'est travail là, si c'est petite là, si c'est machine là, si c'est caille là, si c'est qui idole pour vous, ou obligé de détacher ou de vous pour recevoir Jésus. Ou obligé de positionner cœur aujourd'hui, alléluia, pour mener une vie de royaume. Aussi longtemps que vous attachez à bagaille ça, vous avez mené une vie superficielle, ou pas qu'à consacrer la vie éternelle. Donc, ou de renoncer à toute bagaille ça, qui vient faire de vous ou idolâtre, et vous éloigner de Dieu. Ce n'est pas c'est seulement qui fait de vous idolâtre. Ce n'est pas image taillée qui fait de vous seulement idolâtre. Machine n'a tout son idolâtrie. L'ont attaché à lui-même. Kaila son idolâtrie, l'ont attaché à lui-même. Mais en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Donc, frère Maxime, Zamim, ou même qu'il a, ou même Captandem, Jésus-Christ, Vinbaou, tout élément clé, pour accéder à vie ça, la vie éternelle, vie qui ne peut jamais finir. Et il bon clé tout pour conserver, parce que les deux, écoutez parole, bon Dieu. Croyez, acceptez ça, bon Dieu dit, et manifestez foi. Dans le monde, il révèle, sans raisonnement, sans philosophie. Sans philosophie. L'ouvrir cœur aujourd'hui, acceptez cela, que bon Dieu voyez dans la chair, pour le bon la vie ça. Tant de paroles ce matin et acceptez-le. Et vous avez gagné la vie qui n'est pas jamais finie. Ou sont les gens qui pour abonner à parole, bon Dieu. Ou avez tout abonnement, je dis, sauf abonnement, parole, bon Dieu, qu'on n'a pas gagné. Ou abonnez à tout bagaille sur les réseaux sociaux. Ou abonnez à tout bagaille. Vous avez voulu faire toute la semaine journée. Ou avez temps pour tout, mais vous n'avez pas temps pour la parole de Dieu. Je dis, c'est pour grandir. Dans connaissance, parole, bon Dieu. C'est pour développer une relation intime avec bon Dieu. Et c'est lui qui parle bon. Capacité pour dominer événement. Capacité pour marcher sous problème. Non. Parce que la vie éternelle, c'est un cadeau précieux que lui est. Bon Dieu, bye. Pour n'importe monde qui croit. Pour n'importe monde qui croit. Donc, frère Maxime, yo, matin, moi, je viens dire pour finir. Veillez. Veillez. À qui vit wap mené. Est-ce qu'on va mener une vie qui pure? Est-ce qu'on va mener une vie côté ou près distance ou à tout le monde là, tout ça qui sale dans le monde là, tout ça qui souille dans le monde là? Est-ce qu'on prend distance ou à toute convoitise, à tout orgueil? Est-ce qu'on prend distance ou à ça yo? Ou à marcher droit devant mon Dieu? Et ou même qui peut faire la paix avec elle, matin m'invite ou, l'ouvre porte cœur pour recevoir Christ matin. Parce que Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, ou pas besoin de l'autre côté, c'est dans Jésus-Christ ou pas besoin de Frère Maxime, yo, Zamim, détachez-vous. Détachez-vous de toute bagaille. Et pour attacher-vous, pour abandonner-vous, net aller à Jésus-Christ. L'aptan au matin, la frappe dans la porte là, sous l'ouvri pour lui, la pentrer et la souper, la prêter avec vous. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde-vous, que bon Dieu protège-vous et que bon Dieu passe avec vous. Amen.